everything having to do with the government of Venezuela, every aspect of it, and... Na ville Lima, capitale Pérou, na occasion yon sommet sous Venezuela, Conseil sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, qui t'a parlé yon jour après les États-Unis, a décidé de mettre yon embargo total capital sous le Venezuela, déclaré qu'on y a Washington capable de mettre sanctions sous n'importe qui pays ou bien moun qui appuie le gouvernement président Nicolas Maduro. Extends the authority to impose sanctions on all those who cooperate. Kounya sa couvre tout ça qui gagne rapport avec le gouvernement Venezuela, chaque aspect là-dedans. Et ça dit peut-être, et ça qui est plus important, autorité a mis sanctions sur tout le monde qui coopère, assiste, ou soit soutenu n'importe qui élément dans le gouvernement Venezuela. Qui donc ça gagne là-dedans toute entité étrangère, gouvernement, société, avec le monde qui contribue pour kembe le régime Maduro sous pouvoir. M. Bolton lance appel par le leader mondial dans la conférence internationale sous Venezuela pour demander de prendre action qui plus sévère pour ouvrir Maduro sous pouvoir. Conseil de sécurité nationale des États-Unis a accusé Nicolas Maduro de ce que lui prétend la négocier avec toute bonne foi alors que ce temps l'a fait passer. Et M. Bolton a ajouté, époque dialogue l'a passé déjà. Kounya, c'est moment action. Maduro arrivé dans le bout de code là. Bon, quand tu parles leader opposition, Juan Guaido, que plus passer 50 pays, parmi les États-Unis, reconnaître comme leader légitime Venezuela, bat bravo pour décision Washington. Pendant ce temps, le gouvernement vénézuélien condamné décision comme une agression grave qui a débouché sur un échec dialogue politique là. Gouvernement Maduro a précisé tout, nouveau embargo Washington visait formaliser blocus financier, économique et commercial criminel contre Venezuela et les viser tout pour trangler population. Il y a 4 millions de migrants et réfugiés qui quittent Venezuela à cause de crise humanitaire qui représente plus gros exode dans la dernière tranche historique.